facilité élargie de crédit, un décaissement de 43,4 millions de dollars. Le conseil d'administration du FMI a achevé hier la cinquième revue du programme de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit, ou FEC, en faveur de Madagascar. Cet achèvement permet le décaissement immédiat de 31,4 millions de DTS, soit 43,4 millions de dollars, représentant 12,9% du quote-part du pays. Madagascar a poursuivi la mise en œuvre des réformes appuyées par le programme FEC et les résultats ont été satisfaisants. Le gouvernement continue de déployer des efforts pour renforcer la stabilité macroéconomique, promouvoir une croissance forte, inclusive et pérenne, relever les niveaux de vie de la population, lutter contre la pauvreté et la corruption et progresser dans la gouvernance. Ces efforts sont en ligne avec les priorités du plan Émergence Madagascar. Depuis l'accord au titre de la FEC approuvé le 27 juillet 2016 pour une durée de 40 mois et l'accès supplémentaire accordé le 28 juin 2017, le total des décaissements y afférents a atteint 219,1 millions de DTS, soit 302,8 millions de dollars. Ces décaissements, effectués au fur et à mesure de l'achèvement des précédentes revues, ont renforcé les réserves en devises du pays et servi de catalyseur pour le soutien financier des bailleurs de fonds.